Salut tout le monde, c'est Mascas, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Overwatch et nous sommes sur le PTR pour découvrir tout simplement la nouvelle map Paris. Et oui, la capitale française est désormais dans le jeu, c'est pas encore disponible sur les serveurs live mais sur le PTR, donc c'est une carte assaut, donc on a deux points à capturer ou deux points à défendre tout simplement. Donc on va dans un premier temps découvrir peut-être un peu la map comme ça tranquillement, même si j'ai déjà regardé pas mal de vidéos et pas mal de streams sur la map, donc on va plus ou moins découvrir cette map là. Donc dans un premier temps on va faire comme ça et peut-être que en fin de vidéo on fera une petite partie histoire de voilà, de faire face à des ennemis. On va tout simplement lancer une partie personnalisée et puis puis voilà, hein, tout simplement. Donc hop, on va faire tout simplement paramètres, les cartes, aucun, on va activer Paris. Alors je sais que c'est, y a plus court mais bon voilà, bref, en tout cas on va lancer tout simplement la map et c'est parti. Donc voilà, dans un premier temps on va se balader dans les rues de Paris. Alors c'est vrai qu'on peut voir quand même pas mal de clichés sur cette map là, notamment la boulangerie avec les fameuses baguettes, hein. Là on peut voir les deux escargots qui me semblent être un restaurant ou éventuellement un bar peut-être. On va peut-être prendre une Pharah justement pour peut-être se balader dans les airs. Donc j'ai vu hein, quelques vidéos donc sur cette map là et franchement elle est quand même plutôt classe. Là on est dans une sorte de château de... C'est quand même une bonne map, moi qui me fait penser à Oasis, je sais pas pourquoi, peut-être le décor, c'est un peu ça fait bourge quand même, hein, ça fait bourge. Il me semble que le piano on peut normalement il fait de la musique. Bon, je l'ai défoncé en même temps. Mais voilà, on peut voir pas mal de tableaux. Hein, Alors c'est vrai que je l'ai vu en vidéo, mais j'ai jamais posé les pieds dans le château. Là, on a un globe, ok. Donc on a un petit pack de soins. Alors le deuxième point, il est ici. Ah, donc en fait, le spawn, on peut voir que le spawn, il est... Ah, il est assez loin quand même, hein. Il est assez loin, hein, ma foi, hein. Puisqu'on a deux entrées, enfin deux sorties plutôt, donc une à droite, une à gauche. Et voilà, c'est... Alors, pour ceux qui... voilà, pour se remémorer un peu, la carte Paris est une carte assaut, donc il y a deux points à capturer ou à défendre. Donc on peut penser à Anubis, hein, tout simplement. On peut penser aussi à Anamura. On peut penser à Colonie Lunaire. Et l'autre, je ne sais plus l'autre map. Mais en tout cas, sur Anubis, on peut, même sur Anamura, le spawn est quand même assez proche du point B. Donc là, là c'est assez proche, mais pas trop. Pas trop. Et ma foi, c'est un peu la map... peut-être une map Widow au final, hein. Widow est française en plus, donc c'est parfait. Franchement c'est classe, cette map là je la trouve quand même plutôt classe. Donc le point B ici et le point A, on va y aller. Donc là c'est la défense ici, donc on se rapproche donc du point, on verra le spawn des attaquants. Donc là moi ce qui me fait rire c'est ça, hein. Police. Malheureusement, il n'y a pas encore de gilet jaune disponible dans le jeu. Mais voilà, c'est la petite blague qu'ont fait certains joueurs. J'ai trouvé ça quand même plutôt drôle. Donc on va se diriger vers le spawn attaquant. Donc qui est ici. Ah, je sais pas si je peux... ah, dommage, puisqu'on a une chanteuse. Ouais, il aurait fallu que je switch éventuellement. Il y a une chanteuse en style Omniac. Petit vélo ici. Bon, ça reste toujours futuriste malgré tout. Ici, ok. Allez, on défonce tout. On défonce tout. Alors, j'ai cru voir une boucherie tout à l'heure qui est située... Donc là, on peut voir les deux escargots. Donc, c'est un restaurant... Ouais, un restaurant, restauration rapide, on va dire. Un petit croissant ici. Macaron, petite tartelette.
Non, on n'arrive pas à lire ce qu'il y a de marqué. Repas à toute heure, ouais, ça reste quand même de la restauration rapide. Les fameuses baguettes, hein, les baguettes françaises. Ça, de toute façon, on pouvait pas louper le truc. La boucherie ici, donc, qui est a priori fermée. Donc on n'a pas accès, on peut pas avoir accès à toutes les boutiques non plus. De toute façon, voilà. Là, on a la fameuse pâtisserie et boulangerie. Les croissants, allez, on explose tout. Donc là, les éclairs au chocolat, les éclairs à la vanille peut-être. C'est pas mal. Ils font quand même du bon boulot, Blizzard. Je trouve ça vraiment chouette. Pâtisserie Galant. Alors, d'après que Galant est le nom d'un des comment dire, des personnes qui travaillent chez Blizzard pour justement créer les nouveaux skins. Apparemment, en plus de ça, c'est un français, donc c'est parfait. Ils ont peut-être pris son nom pour l'afficher tout simplement sur la petite boutique, donc la pâtisserie boulangerie. Donc le point A, on y arrive. Ok, donc on peut en attaque, on peut éventuellement. Là, ça peut être bon. Hein. Là, avec un petit Macri, là, ou même une Widow, hein, pourquoi pas. Ici c'est pareil, on peut même en défense, je pense qu'on peut se poser ici. Et voilà, avec une petite fatale, quoique on n'a pas accès ici à l'entrée, mais ouais, je pense que cette map là elle va être sympa. Je pense qu'elle va être sympa. Ok, donc toutes les clés de disponibles. A priori ça reste un hôtel. Donc le point A, il est ici. Et moi, ce que j'aime bien, alors, forcément, voilà, la tour Eiffel. Franchement, je trouve quand même plutôt magnifique. Et en face, on a... Je sais pas si on va le voir. Alors, je vais prendre un peu d'élan. Donc la tour Eiffel, avec les montgolfières, je trouve ça vraiment stylé. Et Notre-Dame, qui est en face. Alors, je le sais, puisque j'ai regardé pas mal de streams et on l'a... Voilà, on l'a dit, mais c'est vrai que bah, comme je suis pas du tout parisien, c'est vrai que mais ouais, c'est vrai que c'est quand même assez sympa. Petit clin d'œil. Et bah, la tour Eiffel, hein, forcément tout le monde connaît la tour Eiffel, et franchement, elle est plutôt stylée, hein, malgré tout, elle est plutôt cool. Donc là on a le point A ici, donc on doit capturer quand on est en attaque, bien sûr, et défendre. Le point quand on est en défense, tout simplement. Donc là, on a une petite partie où on va pouvoir, ouais, on va pouvoir faire pas mal de choses. Et là, ce qui me plaît bien, c'est le fait de peut-être avec un Lucio ou peut-être justement avec une Pharah de, voilà, de faire valser un peu les ennemis. Ça peut être sympa avec éventuellement une hache aussi. Hache, Pharah, encore Lucio. Donc là, on est au commissariat de police. Alors, est-ce qu'on a été partout? Donc là, il y a un gros pack de soins juste à côté du point de défense. Donc une fois que le point A a été capturé, donc on peut passer par là pour aller vers le point B, donc qui est juste en face. Donc là, on a... ouais, d'accord, on peut passer à gauche ici. On peut passer... Donc là, on est au commissariat. Donc on peut passer par le portail ici. Et du coup, c'est soit on passe par ici, ou soit vers la droite, ou encore vers la gauche. Et du coup, ben, on arrive vers le point... Attends, j'ai badé là, c'était... D'accord. Connaissez-vous la spécialité du chef ? Place au délice de la justice ! Voilà. Oh, j'ai complètement arraché. Oh bah merde. Oh bah mince. Oh, je l'ai défoncé. Du coup, le point B, eh bien, en passant à droite, on peut, ouais, on peut faire de belles choses, je pense. On peut passer par là, si on préfère. Bon, là, c'est vrai que ça change pas grand-chose. Et le point B, en passant par la gauche. Ah, c'est classe, hein. C'est classe, hein, quand même, hein. C'est très, très classe. Est-ce qu'on peut passer par là? C'est pas sûr, hein. Non, là on bloque. Là on bloque. Ok.
Eh bien voilà, on a fait à peu près le tour, je pense, hein, de la map. Donc Paris, et ça, franchement, ça fait plaisir d'avoir une map française. Enfin, une ville, ouais, une map française, hein, tout simplement. Donc Paris, c'est pas rien, ça reste quand même la capitale, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, peu importe. Mais en tout cas, je trouve qu'ils ont quand même plutôt bien réussi à retranscrire un peu les valeurs de la France aussi au final là, le côté château, côté baguette quoi, mais c'est vrai que ça reste quand même plutôt sympa. Donc on va tout simplement essayer de lancer une partie en 6v6. Donc je le rappelle, nous sommes sur le PTR. Je suis désolé, je suis pas un spécialiste en analyse de map, hein, c'est quasiment la première fois que je visite une map comme ça découverte vidéo, mais en tout cas ça m'a fait plaisir. On est retourné dans le spawn de la défense. Et bien voilà, on va se lancer donc une petite partie en 6v6. Allez, à tout de suite. Et c'est parti, nous sommes en défense sur la nouvelle map Paris. On va donc tout simplement protéger le premier point. J'ai fait la partie juste avant, mais c'était déjà le deuxième point, donc je préfère vraiment vous donner un gameplay de A à Z, hein, là si on arrive à défendre donc le premier point, bon ça fait rien, mais au moins commencer par le point A plutôt que le point B, ça semble évident. Donc on va peut-être prendre, allez on va prendre le faucheur, on va pas se poser de questions, je voulais prendre Widow, mais j'ai un peu peur de faire n'importe quoi avec Faucheur, ça sera peut-être plus facile. Donc, dans la première partie de vidéo, on découvrait tout simplement donc la map dans les moindres recoins, si je puis dire. Et là, ici, on va tout simplement jouer l'objectif, protéger le premier point, donc le point A. C'est vrai qu'elle est quand même plutôt classe avec cette tour Eiffel. Bon, en même temps, Paris sans tour Eiffel, ça aurait été un peu dommage quand même, hein, s'ils n'avaient pas retranscrit au moins le monument le plus célèbre du monde, hein, quasiment, hein, quasiment. Ok, donc il y en a deux qui trollent là. Ah, oh, c'est abusé. Bon, ça fait rien. On va essayer peut-être d'attaquer, plutôt de défendre ici. On va voir. Ça peut pas venir par là. Hein. Ok, non. Oh, il y a une diva. Je vais me faire plaisir avec Faucher. Ouais, c'est dur. En plus, c'est le nouveau Reaper, donc ça fait quand même assez mal. Ça fait mal, et en plus de ça, je récupère pas mal de vie grâce au buff qu'il a reçu récemment. Donc ça, c'est cool, hein, c'est plaisant. Ok, la petite tête sur la diva. Alors, je pense que vous allez voir que je me suis quand même plutôt amélioré depuis ma vidéo Overnoob numéro 2, épisode 2, je pense. Enfin, en tout cas, je l'espère. Alors par contre, ici, on peut pas passer. C'est marrant, ça reste quand même un coin... un coin plutôt... Oh là, il y a du monde là. Allez, ça dégage. Ok, ouais, non, on peut pas passer, hein. Je crois pas. Hein. Le Lucio, ok, nickel. Bon, l'ulti, j'ai quand même tué Ange et Diva, donc. C'est. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Là, par contre, ils sont passés par où, là, ici? Et encore Diva? Je vais la défoncer. Hein. Ouais, c'est tellement efficace, Faucheur. J'ai récupéré pas mal de vie, mais je pense que j'ai été. J'ai été soigné malgré tout, ouais. Il y a la Anna qui me soigne, donc ça c'est cool, ça c'est plutôt cool. Aïe. Ok, lui il m'a pas vu. Oh le bad. Ah, j'ai pas de soin. Aïe 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 mon dieu. Ah ouais, bah ouais. Ah, série de 7 quand même. Bon, 2 médailles d'or. Donc, élimination, dégâts. J'ai un peu paniqué. Bon, c'est vrai que là,
J'aurais peut-être pas dû, j'aurais peut-être dû monter, je sais pas. Alors par contre, ça me semble quand même plutôt long, du spawn jusqu'au point. C'est quand même assez long. Je sais pas si c'est moi, mais mince, je me suis trompé en plus. J'aurais pu aller un tout petit peu plus loin. J'espère que le son du jeu est plutôt bon. Et pas très fort, surtout. Allez. Peut-être aller sur le point. Oh, je l'ai tué quand même. J'ai tué la ange. Donc c'est cool. C'est cool. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, il me semble, le point B, il est quand même. Le spawn du point B est quand même un tout petit peu plus. Tout petit peu plus loin que Anubis ou encore Anamura. C'est vrai qu'Anamura, il est quand même très très proche le spawn. Donc pour les attaquants, ça reste assez difficile, je pense, pour capturer. Allez, nickel. Nickel. Là par contre, il va falloir aller sur le point. Bon, non, c'est bon, c'est bon. Easy. Équipe éliminée. Nickel. Bon, on a fait un bon ulti quand même. Alors c'est vrai que bon, l'ulti est facile à placer, on va dire, mais bon, voilà, il suffit d'un Macri ou une Brigitte en face pour se faire contrer assez facilement. Ah ouais, ça c'est con. Oh, la diva prend cher. Hop, hop, hop. Allez, soigne-moi. Yes, nickel. Merci Anna. Je pensais qu'elle trollait au début à se jeter dans la flotte avec sa pote Tracer. Alors je pense, enfin vous me dites dans les messages, dans les commentaires, si vous voyez une amélioration au niveau de mon gameplay ou non. Alors c'est vrai que là, faucheur, il n'y a pas réellement, réellement besoin de précision. En tout cas moins qu'un Macri ou une Fatale. D'ailleurs la Fatale m'a collé un petit headshot sans trop de pression. On est quand même plutôt pas mal. Plutôt pas mal, hein. Faut savoir que je suis pas un joueur PC. Je commence hein, petit à petit à m'adapter à Overwatch PC. Et franchement et bah c'est un plaisir quand même, hein. Ça reste un plaisir. Allez. Il a plus de vie, yes, nickel. Oh là, c'était la ange qui n'avait plus beaucoup de vie. Alors est-ce qu'elle a régène? Ah, j'ai pas vu. Est-ce qu'elle a régène un pote? C'est fort possible. Ouais, par contre on va peut-être éviter de se rapprocher de cette Pharah puisque je risquerais de me faire complètement défoncer. Oh, il fait n'importe quoi. Ouais, je l'ai lâché un peu n'importe comment. Bon, j'en ai tué un avec l'ulti. J'ai fini le zen après. On est pas mal, on est pas mal. Non, 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 non. Elle en a tué un quand même, elle a tué Moira. Dommage, elle avait peut-être pas son, son dash, la pauvre Moira. Non, on va peut-être pas se rapprocher. On va pas tenter le diable. Ça sert à rien. En plus, je suis pas vraiment très bien installé au niveau de mon bureau, de mon PC. Je suis un peu mal à l'aise. Je suis pas bien positionné en fait. Mes mains sont pas terribles. Position de mes mains, bien entendu. Hop, toi tu dégages. Ouais, je prends cher. Ouais, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû. Je me suis pris quand même un peu beaucoup par cette Widow. Je pense qu'elle m'a fait pas mal de dégâts. Et du coup, j'étais un peu pas bien face à cette Pharah.
Ok, donc on va faire attention à l'infravision de la fatale. Une figure et ça repart. Une dernière volonté. Place au déluge de la justice. Ok. Ok, équipe éliminée, c'est la win. Ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. J'ai été nano-boosté par notre Anna. Et au final, ça s'est quand même plutôt bien passé. Alors, est-ce que j'ai l'action de la partie sur une éventuelle action sur mon ulti? Pas du tout. Donc, c'est la Tracer. On va peut-être enchaîner sur, cette fois-ci, l'attaque. On va vraiment découvrir cette map. On a, dans un premier temps, découvrir un peu les lieux, même si j'avais déjà regardé des vidéos sur cette map, mais au moins faire la défense et l'attaque aussi. Donc je vais voter pour notre Moira. Je quitte la partie et puis on se retrouve pour cette fois-ci l'attaque. À tout de suite. Allez, c'est reparti. Cette fois-ci nous sommes en attaque. Qu'est-ce qu'on va prendre pour ce point, enfin pour cette partie? Tout simplement, on va peut-être prendre un chacal ou peut-être une Pharah. Alors, pour info, ça fait quasiment 3h30 que j'ai lancé la vidéo. En effet, j'arrive pas à vous fournir un gameplay correct en attaque. Donc ça fait quasiment 3h30 que je suis sur cette vidéo, hein, tout simplement. Donc on va, j'espère vraiment faire une partie correcte. Donc ici, nous sommes dans le spawn des attaquants. Donc chose qu'on n'a pas pu voir en début de vidéo. Donc un beau cabaret parisien, hein, c'est ce qui fait aussi le charme de Paris, si je puis dire. Même si je suis pas du tout de Paris. Mais c'est vrai que c'est classe. C'est vrai que c'est très très classe. L'ambiance, enfin on ressent quand même l'ambiance parisienne. C'est vrai. Hein, on peut le dire. En tout cas, moi j'aime beaucoup la tour Eiffel en arrière-plan. Oh, il y a déjà une Pharah. Aïe. Le fait de voir la tour Eiffel juste devant le point, enfin juste derrière le point A, je trouve ça super classe. Je trouve que c'est vachement bien représenté. Allez, on va essayer de faire un truc correct. J'ai fait de bonnes parties, mais malheureusement on était en défense. Et sachant que j'ai déjà fait un gameplay en défense, ça m'embêtait de vous fournir deux gameplay en défense. Aïe. Aïe 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 aïe. Bon. J'ai envie de switch quand même. Je vais prendre Chacal. Et puis, puis voilà. Tout simplement. J'aurais peut-être pas dû passer par la droite, je pense. Allez, on va faire quelques dégâts. Ouais, le chopper, il lui reste pas grand chose. On va passer par là. On va suivre le Winston. Il va peut-être mettre sa bubule. Oh, ça c'est pas mal ça. Allez! Ah, c'est la bonne celle-là, c'est la bonne. Yes, nickel. Nickel, allez. On capture le premier point. La belle tour Eiffel. Nickel. Premier point capturé. Maintenant, on va aller vers le point B. Ok, bien joué. Oula, par contre. Et ben, on va peut-être capturer le point B plutôt facilement, je pense. Allez. Allez, j'ai mon ulti bientôt. Par contre, je risque de me faire éclater si je fais ça. Attention.
Allez, j'en ai tué un. Je ne suis pas mort. Parfait. Allez, est-ce qu'on va gagner? Est-ce qu'on va gagner? J'ai tué le Amon, c'est parfait. Ah, dommage. Allez, allez, le Winston, il va complètement déchirer cet Enzo, je l'espère. En tout cas, c'est bien parti. Bon, il m'a tué, ok, ok. Bon, ça se passe quand même plutôt bien. J'aurais préféré rester en vie sur le point, là, mais malheureusement... Ça l'a pas fait, allez on recule, c'est parfait, c'est nickel. Je suis on fire en plus. Voilà, par contre il a mis une flèche sonique je pense. Allez, face à un chacal, tu risquerais de morfler mon petit père. Ah, il est même pas mort, j'ai mis deux mines. J'ai bientôt mon ulti, ça monte quand même assez vite hein, l'ulti de chacal. Ah, oh, dommage. Ah, il lui reste rien. Ah, il lui restait pas grand chose. Ouais, bah moi j'ai plus de vie. Oui. Oh, ça a été compliqué là. Hein. J'ai récupéré toute ma vie. Ouais, dommage. Ah! C'est bête puisque je pensais qu'au moment où il a activé son ulti, Winston, je me suis dit, allez, c'est bon. On peut faire un peu n'importe quoi, on va se la jouer YOLO et au final j'aurais pas dû. J'aurais peut-être dû garder mon ulti. Et le problème c'est que l'ulti face à un chopper c'est un peu compliqué. Hein. On peut pas le tuer. On peut pas le one shot avec le pneumastique. Ouf. Alors lui il a eu de la chance. Il a vraiment eu de la chance le Hanzo. Ouais. Eh oui, il a eu de la chance, il a son ulti par contre, on va faire attention. Alors j'ai fait un bon début de game, malheureusement là c'est un peu plus compliqué. Ah oui, on va te rejoindre Winston. C'est vrai qu'il a peut-être pas tort. Il a plus de vie, il a plus. Et voilà. J'ai tué. Bah si, j'ai défoncé toutes les mines. Et c'est la win. C'est la win. On va la garder celle-là. C'était pas une partie de ouf, mais je peux vous dire qu'après 3h30 d'enregistrement, c'est un peu pénible. Donc on va garder celle-là, qui était pas trop mal sur le premier point. Sur le deuxième, j'ai fait un peu n'importe quoi. Au niveau des ultis, ça a vraiment pas été le point fort, mais en tout cas, bah, ça s'est quand même plutôt bien terminé. On a fait... On va voir les stats... Assez rapidement, bon c'était pas exceptionnel c'est vrai, c'était ça a été difficile, mais en tout cas bah, c'est la petite victoire, on va ouvrir les 4 coffres. Ouais, 3 médailles d'argent, c'est peut-être pas grand chose, mais quand même on va s'ouvrir les 4 coffres devant la tour Eiffel et on va bah, se quitter là-dessus. Allez, petite légendaire. Oh. Pourquoi pas? Bon, c'est pas un légendaire de l'event jour de l'an, mais quand même, ça a le mérite d'être là. Bon, là, il n'y a pas grand chose.
Ok. Dernier coffre, allez, petite légendaire. Non. Bon, ça fait rien, ça fait rien, des petits sous-sous. Le soldat. Ok, on va activer. Bon, en même temps, j'ai pas grand-chose sur PC. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas le petit like et le commentaire. On se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Ciao tout le monde.